Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de découverte d'un jeu vidéo. Nous allons faire le Balan Wonderworld, un jeu de Square Enix. En fait, je fais plus cette vidéo à titre informatif. Voilà, donc la démo elle est disponible si vous voulez la tester. Elle est disponible aussi sur PlayStation Store, enfin voilà. Donc un jeu de Square Enix qui était très attendu. Et d'après les premiers échos que j'en ai eu, c'est une véritable purge. Voilà. Donc voilà, c'est un tir informatif. On va regarder un petit peu ce que ça vaut. Parce que je sais qu'il était très attendu. Mais au final, il a beaucoup déçu. Alors ça se trouve, en plus, on va se faire bloquer à cause de la musique. Donc il y a moyen. Déjà... C'est pas très beau. Oh, d'accord. Bonne ambiance. Square Enix. C'est déjà plus joli. Enfin, les animations étaient cheloues, je trouve, au départ. Ça a l'air très japonais. On est vraiment sur du japonais, là. Wonderworld. Toujours ses cheveux Square Enix quoi. Des cheveux en pique. Yahoo. Monsieur Etio. Evil Kuryu. Yes, entendez-vous? Un morceau de son cœur. C'est très colorant. Ok. Ok. Je sais pas où ça nous mène. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Pas de commentaires pour l'instant, on sait pas ce que c'est comme jeu. Hein. Mais ouais.
temps de chargement pour ça. Je sais pas si c'est moi ou si c'est dans le jeu les oiseaux. Oh la vache, ah ouais. Allô? Oui? Allô? Je sais pas si vous entendez. Ok. Tu m'as chargé pour ça là? Oh, c'est quoi ça? Oh là là. Pourquoi il danse? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je viens neuf, ok. Il y a ces trucs qui me suivent. Ça lag. Ça lag. Je voulais faire ça lag. Ok. Prendre de doute. Oh, ah oui, il y a des lags. On peut changer de personnage apparemment. Ça lag. Ah ouais, c'est sentiments autour de... Mais attends, il y a combien? On est d'accord que les sentiments autour des personnages, ça date de la Wii U, quoi. C'est... On a plus ça maintenant. Comment je peux les battre? Putain, ça lag. Ah ouais, non, ça lag. Je suis désolé, mais ça lag. Je récolte des trucs, je sais même pas pourquoi, là. J'ai vu des choses par là. Je peux pas monter. Ok. J'ai pas le saut. Non. C'est moi qui bouge la caméra. Je devrais peut-être pas. Je peux pas aller là. Comment ça bouge?
On a raté une visiblement. Pourquoi les murs ils bougent comme ça? Curieux moi, donc je continue. Putain. C'est vrai. Ouais, je sais pas. Non. Bref. Passons. Ok. La clé, je croyais l'avoir prise, mais bon. Bon, bon. Ah ouais. Donc à tous les coups, elle peut aller plus haut. Je vais essayer. C'est ça. C'est bizarre ce mouvement là. C'est un peu. C'est laquelle que je viens de... Ah, j'ai raté une première, je pense. Putain, elle... Pas sûr. Putain, je vais avoir le mal de mer avec ces conneries. Appuie sur B lorsque la silhouette de Balan s'anime dans l'écran. Ok. Apparaissent. Attends. Voilà, j'ai juste appuyé sur B. Une fois. Bien joué. C'est pas ouf. En fait, les combats, c'est des espèces de jeux de rythme. Le truc c'est que on a l'impression qu'ils veulent en mettre plein la vue, mais on se fait chier quoi. C'est pas, y a pas, c'est pas très intéressant. Quoi. On récolte des trucs, on sait pas. Il y a des bestioles qui nous. Ouais, je suis tombé. On va s'arrêter là. Ouais, c'est vraiment pas ouf en fait. Ils auraient peut-être dû éviter de faire une démo parce que. Et ben, y avait une hype sur ce jeu. Et du coup, avec la sortie de la démo, toute la hype est retombée sur beaucoup de gens qui le voulaient. Et qui ont donc décidé de ne plus l'acheter. Donc, c'est malheureux du coup. Je peux monter là-dessus, c'est quoi ça? Je comprends pas. Ouais, non, c'est malheureux. Ouais, c'est dommage parce que y a des équipes derrière tout ça. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Je comprends pas le délire. Y a pas de. Tiens, y a un truc. Une
cadre. Là, je suis sûr que je peux pas y aller. Attends, on va essayer, tiens. Pour le délire. Bref, c'est pas terrible. Voilà, au moins vous le savez maintenant. Bah, j'espère que vous avez kiffé cette découverte de Balan. Au moins vous êtes informé que c'est vraiment pas ouf. Si c'est le cas, lâchez-moi votre plus gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait ou à cliquer sur le bouton rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne et avoir des vidéos en avance. Et nous, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut tout le monde!